Alors dis-moi, pourquoi fais-tu l'élection de Mr. Pride Belgium 2011? C'est pour pouvoir... Excusez-moi. C'est normal, hein, il y a beaucoup de monde ce soir. Hein. C'est pour pouvoir lancer la législation qu'il y a dans le pays, la transmettre dans d'autres pays qui n'est pas autant avancé. Je parle entre autres du mariage, de l'adoption. C'est principalement la cause duquel ce soir je serai là. Alors tu as choisi un thème qui est cher à toi et je crois que c'est le mariage. C'est donc le moment où tu vas parler de ton thème. Le mariage donc en Belgique est légalisé pour les homosexuels. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. C'est pour cela qu'il ne faut pas l'oublier, se défendre et battre pour que la législation puisse avancer. Donc voilà ma principale cause pour pourquoi j'ai choisi ce thème principal. Notre candidat. Naturellement, la chose qui me diffère des autres candidats, c'est mon âge. Je suis le plus âgé, malheureusement. Mais bon, personnellement, je trouve ça un atout parce que ça me donne l'expérience. Si j'aurais le titre de Mr. Pride, me permettra d'exploiter mon expérience en protégeant les droits pour les gays, les lesbiennes et les bisexuels. Voilà. Voilà. Néanmoins, je souhaitais également tous mes collègues le titre, mais bon, je trouve que la fête continue et le fait que vous êtes tellement nombreux, ça veut dire que vous êtes ici tous pour la même cause et ce n'est que génial, voilà. Tony, je te... Julie, tu lui passes peut-être ton micro pour qu'il se présente. Bonsoir, ik ben Anthony, j'ai 24 ans et je suis un candidat à l'élection de Mr. Pride Belgium 2011. Ce soir, j'ai choisi comme thème Ricky Martin qui a fait son coming out à 38 ans et je trouve qu'il y a encore trop de gens qui n'osent pas faire leur coming out de nos jours et en 2011, c'est triste. Donc j'aimerais que ça évolue. Voici. Mais MGB 04 61 56 pour Anthony. Merci. Romain. Bonsoir. Je m'appelle Romain. J'ai 22 ans. J'étudie la coiffure et le maquillage. Je viens de Liège. Je suis le seul ce soir. Donc j'espère que les Liégeois vont me soutenir. Je compte sur vous. Alors dis-nous, pourquoi tu fais le concours Mr. Pride 2011? Alors au départ, c'était un super défi à relever, et puis au fur et à mesure de l'aventure, on se rend compte que on pourrait vraiment faire quelque chose pour faire avancer les choses, et je trouverais ça vraiment chouette d'y participer. Alors, comme tous les autres candidats, tu as choisi un thème, je te laisse présenter le thème, et je te laisse aussi parler à propos de ce thème. Alors moi j'ai choisi le droit des homosexuels, car je trouve qu'aujourd'hui on s'en rend pas toujours bien compte, mais c'est toujours un combat et une réelle épreuve de faire respecter les droits des homosexuels, et je pense qu'il faudrait que ça change. MGB 04 61 56, si vous voulez voter pour Romain. Eh bien, alors moi c'est Rico, j'ai 31 ans, je suis chercheur en génétique appliquée. Voilà. Je participe à l'aventure ici parce que c'est une belle aventure humaine, ça permet de faire passer un message. Le message que j'aimerais bien faire passer, c'est à bas la discrimination dans les écoles. Voilà. Et donc tu nous as choisi un thème spécial ce soir. Est-ce que c'est la discrimination dans les écoles ou c'est encore autre chose? Ce que j'ai choisi, c'est l'homoparentalité. C'est-à-dire la possibilité aux gays dans le monde de pouvoir adopter des enfants. En Belgique, c'est possible, mais c'est encore très difficile. Il faut faire du boulot, et encore du boulot, et pouvoir militer pour les autres pays, pour pouvoir que ces pays-là, les gays, puissent adopter gays et lesbiennes. Voilà. Bien parlé, merci donc. MGB 06 au 61-56, si vous voulez voter pour Rico. 10 000 Zas pour Rico. Bonsoir tout le monde.
Bon, je m'appelle Andy, j'ai 21 ans, c'est mannequin et je viens d'Anguien. Alors dis-nous, qu'est-ce que tu as de plus par rapport aux autres candidats? Ce que j'ai de plus par rapport aux autres candidats, c'est que je suis très sociable et que j'ai l'habitude du contact humain. Alors toi aussi, hein, tu as choisi un thème, je te laisse le présenter au public. Mon thème, c'est le coming out, parce que pour moi, c'est la consécration de nombreux sacrifices de part de nombreuses personnes et des idéalistes. Et c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, on a des droits, on est libre de faire ce qu'on veut, et c'est pour ça qu'on a une certaine humanité aujourd'hui. Et en fin de compte, ce qui est important, c'est ce n'est pas ce qu'on est, mais c'est ce qu'on fait de ce qu'on est. Si vous voulez voter pour Andy MGB 07 au 61 56. Pour Andy MGB nul 7 et non zestock, zest and vibe talk. Merci à tous, on se retrouve tout à l'heure et bon show avec la diva et Catherine, à tout à l'heure. Merci Julie.